Les gars, si vous ne connaissez pas, vous essayez. N'hésitez pas à essayer. 1300 mètres d'altitude. Charles, bonjour Jean-Charles. Oui, je suis venu déjà plusieurs fois. Surtout à Megève. Pas de son, Philippe. Alors, vous avez vérifié ce micro bien allumé. Le micro bien allumé. Il vérifie ça. Non. Alors, s'il n'y a pas de son, eh ben, on va reprendre le direct. Mais normalement, ça doit être bon. Ça doit être bon. Non, c'est pas... Est-ce qu'on nous entend ? Non. Manque de son, nous dit. Manque de son. Alors pourtant, c'est très bizarre parce que tout fonctionne normalement. C'est tout, tout est. Tout... On nous dit que c'est beau. Et c'est nous ou c'est le paysage ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors on va peut-être reprendre. Alors on arrête tout. Est-ce qu'on a le son ? On va nous répondre. On va répondre. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà présents. Bonjour de la Bourgogne. Merci. Voilà. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas le son ? Est-ce que c'est mieux ? C'est peut-être le vent qui était là, vent, présent, il y en a. Alors, ici, on va assister à un entraînement, c'est ça ? Ouais, deux entraînements de Jean-Claude et Michel. Jean-Claude et Michel qui sont ici. On ne va pas les déranger. De Savoyard, de Haut-Savoyard. Qui sont des fans de... Il n'y a pas de son, nous dit, mais il n'y a pas de masse non plus. Le son revient. Le son est revenu, alors merci, le son est revenu. Donc, c'est un contact. Alors, le masque, on va le mettre. Non, non, vas-y, mets-le pendant ce temps. Monte un peu le panorama, tiens. Allez-moi ça. Ça marche par intermittence, on nous dit, le son. Le son marche par intermittence. Il a l'air bon, le son. Allez, on est masqué, on est pas beau. Venez, Guillaume, notre... Guillaume. C'est bon, ça revient. Ça revient, c'est bon. Guillaume, voilà. Guillaume, aussi, c'est OK. Non, du tout. Philippe, resitue. Oui. Quelle impression vous avez ? Un très beau panorama déjà, c'est important pour les golfeurs. J'espère un très beau parcours, pas trop difficile non plus, et puis de jouer avec... Massif du Mont d'Arbois. Alors... selon la... Vous êtes parti pour 4 heures de marche. Oui. Combien de kilomètres ? À peu près... près. Ah ouais, il est magnifique, absolument.
splendide. Plus haut col d'Europe. Non, pas le plus haut, mais non. Le deuxième plus haut. C'est ça. Le plus haut, c'est La Bonnette, le Crest of Europe. C'est ça. Il connaît tous ses cols par cœur, évidemment. Appris à l'école, l'école. Il pleut à Londres. Il pleut à Londres. Il pleut à Londres. Une information qu'on donne, il pleut à Londres. Il y a des ici de temps magnifique. On va faire des sur le mont d'Arc. Noriel, à côté, tu travailles ici à Megève. Qu'est-ce que tu penses du golf du Mont d'Arbre ? Je trouve que c'est un très très joli golf de montagne. Pas de son, on nous dit, ça crachouille. Respectueux de l'environnement. Ça crachouille. Et on a l'occasion de faire connaissance de très bons golfeurs. De beaux golfeurs. Ouais, et des ouais, golfeurs. Ouais, ouais. Et donc, je suis là en visiteuse, mais j'y prends beaucoup de plaisir. Des envies de jouer bah. Alors, pourquoi pas un jour hein. Ah tiens, on va aller voir Jean-Claude. Et les garçons, vous avez joué un jour ou pas? Il y a longtemps. Ça grésille, il y a un bruit horrible. Ça grésille, il y a un petit peu. Ah, ouais. On a Jean-Claude ici, on est en direct. On nous attend, alors on va laisser aller. Salut. Problème de son, nous dit. Qui dit, faites là, vous aurez du son. Du Mont d'Arbre. Au millimètre près, on les voit ici, avec des gens qui s'entraînent, un petit chien, des enfants, des parents, tout le monde vient ici. C'est le bonheur absolu. Je crois qu'on va terminer, Jean-Noël, s'il y a des petits soucis de son, est-ce que c'est confirmé ou pas, on veut nous le dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des problèmes de son. Là, on a même des regardez, les avions ici, l'Altiport. Et les vélos, voilà le nom du golf, c'est le golf du Mont d'Arbois. Vous avez l'Altiport qui n'est pas loin, on voit les avions là-haut. On voit aussi le VTT possible ici depuis la remontée mécanique du Mont d'Arbois ici, qui fonctionne toutes les demi-heures, on peut y aller. Muet, alors si on est muet, voilà. Donc on va quitter. On va faire comme ça, j'espère que le son est revenu ici, on a débranché un petit truc, nous sommes au golfe du Mont d'Arbois, c'est le bonheur, c'est l'été, profitez des vacances évidemment, j'espère que le son revient maintenant, on a fait un petit branchement, hey, c'est la montagne, il faut nous pardonner, il n'est pas toujours facile, et en tout cas pour ceux qui nous ont regardés, eh bien merci d'avoir été là, malgré le son qui craque, qui crachouille, en tout cas ça va être l'endroit, et il faut venir ici. Ici ou ailleurs, la montagne, elle vous accueille. La montagne est belle, n'hésitez pas. En tout cas, bonne fin de vacances. Regardez-moi ça, voici le caddie qui part ici avec un chien derrière. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est en direct, on dit bien, si vous nous écoutez, si ça marche, le son, évidemment. Eh bien, c'est en direct dans la place du village. Ici, on a un chien qui a failli retenir le caddie, mais ça va marcher. Voilà. Le son est bon, et eh ben tant mieux si le son est bon. Voilà, vous avez des problèmes de son, il y a du vent dans les voiles. Philippe, on va terminer ici. Tiens, voilà. Allez. C'est quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est venez ici au Mont d'Arbois, venez faire du golf, venez profiter de la montagne, les garçons, ils vont aller où? Voilà, revive pas comme on dit chez nous, ce qui veut dire au revoir en patois savoyard. Allez, merci à Honor suivi, désolé pour le son, on verra. Hein, en tout cas, belles vacances, à tout bientôt, un grand merci, bye bye.